Salut tout le monde, ici Fable Grand, on se retrouve pour ce sixième épisode de Zenrise saison 3, ravi de vous retrouver. On va commencer par rien du tout, parce qu'on va peut-être déjà dire qu'il y a Romain, déjà qui est Oui, là. bonjour. Il y a Koroshi aussi qui est là. Ouais, ça alors. Et malheureusement, nous avons Percy qui a dû déclarer forfait, parce que il... Voilà, Ah, purée. Pas le temps. Par empêchement principalement, et on voulait pas forcément prendre plus de retard que ça dans les diffusions, sachant qu'il y a déjà une semaine qui a sauté, hein, comme vous avez pu le voir. On en est désolé d'ailleurs, mais c'est juste qu'on a juste tourné que 5 épisodes. En plus, Percy était en vacances, donc on ne pouvait pas tourner pendant le mois Tout d'août. ça parce que je suis gros. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça qu'on a eu une semaine de retard. Mais maintenant, là, on va tourner quelques épisodes à la suite. Et là, normalement, il n'y aura plus de problème. Donc, voilà. Exactement. Donc, vas-y, Fab, je te laisse faire le récap de l'épisode précédent. Vas-y, vas-y. Oui, donc du coup, dans l'épisode précédent, moi j'avais pris 5 minutes de manette à l'envers, plus les 2 minutes que Kuroshi nous a infligées. Oui. Donc Kuroshi a mis 2 minutes à tout le monde, du coup, je vais le redire, on sait jamais. Et Romain a chopé 1 minute, 10 minutes, 1 minute, Une minute, deux une, minutes. une immunité en plus des Oui, 2 minutes tout à fait. de Kuroshi. Tout à fait. Bon, c'est bon. Et sachant que Percy m'a filé son immunité qu'il Oui, avait. vu qu'il a déclaré forfait, il avait une immunité, donc je lui ai demandé à qui il souhaitait la donner. Il l'a donnée à Fab. Voilà, ce qui prouve que votre amour est éternel, n'est-ce pas? Oh Exactement. oui, Et donc, du coup, Fab, tu as éternel. une immunité, du coup. L'immunité que tu avais perdue, bah, C'est tu ça. l'as gentiment Ah, et, regagnée. et petite précision par rapport à Percy, pour ceux qui le savent et qui vont sur sa chaîne, il avait déjà mis un message par rapport aux séries principes des. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo sur sa chaîne, elle est facilement Oui, je vous trouvable. laisse. Je mets moi, je perso, moi, je mettrai le lien dans la description. Perso. Je mettrai le lien Ouais. dans la description de la vidéo, de ma vidéo. Bon, C'était intéressant. après cette belle introduction, on va passer à l'épisode. Donc, êtes-vous prêts donc pour ce sixième épisode de Zeldrice? Oui. Attention donc, Koroshi, tu démarres tout de suite. Je suis prêt. Tu démarres tout de suite. Nous, on va attendre 2 minutes. Sinon, tu es prêt, Koroshi? Ouais, je suis prêt. 3, 2, 1. Attention, stop, c'est parti. Ah, c'est là! Bon, tu vas pas te plaindre, Koroshi, c'est bon, hein? Du coup, t'étais arrêté où, Romain, déjà? J'ai fini le premier donjon, là je suis en plein milieu de la plaine de Termina et je vais me diriger dans la deuxième zone. D'accord. Voilà. Donc Koroshi qui va reprendre de l'avance, parce que je l'avais un petit peu rattrapé lors de l'épisode précédent. Mais bon, il va reprendre son avance qu'il a eue. Moi, il faut que j'apprenne la sonate de l'éveil, je crois. Ah, Avec le oui! géant, avec Ouais, le géant, là. le truc des géants. On va T'es niquer le pas daron avec des bombes. si loin que ça au final, Fab, c'est Non, mais pas. je vais sûrement faire un peu quoi. Je sais pas si ça sera dans cet épisode, ça va être un peu Tu feras de compliqué, mais l'annexe. ouais, il y a possiblement de l'annexe qui sera sur mon côté. Ouais, pour GG, avoir des les termes maintenant, c'est incroyable. pour avoir des cœurs, etc. Non, pas forcément, Mais mais surtout des masques en fait. j'ai envie de récupérer certaines choses qui, je pense, peuvent m'être intéressantes Et utile. et utiles, effectivement. Putain, mais je perds trop de cœur là, c'est incroyable. Attention, Goroshi, hein. Tu vas pas perdre au bout de 2 minutes quand même, ce serait con quand même. Surtout que t'as pas d'immunité, donc fais attention. Putain, mais c'est quoi la neige, elle veut pas détruire, elle est immortelle. La Voilà, neige quoi est là là. immortelle. Squalala, nous sommes partis. Il est écrit, seul Link peut battre Ganon. Il est écrit ici que ce Link peut vaincre Ganon. Allez, dans 25 secondes, on y va. Pour toi, Putain, mais mais... j'ai l'impression d'avoir rien foutu de Ah ma oui, vie. après toi, t'as 5 minutes de matériel envers toi, après ça. Tout Ouais. à fait, tout à fait, tout à fait. Les manettes à l'envers. Là, ça va être marrant avec une manette Village dans la de masque montagne. de Attention, 64. 10 Je perds mes secondes. mots. J'en Mais... perds mon français. J'en perds ma tête. Sont 3, 2, 1. Attention, on y va, c'est parti. Tellement il fait Bon froid courage, dans Fab, pour la la mettre à plaine l'envers. d'Oran. Alors. Merci. Bah après, ça va, j'ai encore un bout de cinématique à faire, donc ça va. Mon Ouais, Ziz donc with du coup, me. tu as grappillé un peu de temps. Ouais. Hey Romain, tu veux savoir un Pas truc? du tout. Oui. Tu sais que si jamais tu frappes dans la neige, ça fait la ramer le jeu. Sérieux? Ouais, lorsque tu frappes dans les gros trucs de neige là, que tu peux pas juste briser avec les bombes. Si tu donnes un coup, ça fait un petit peu laguer le jeu. Par contre, je n'ai plus que cette flèche, donc j'ai pas intérêt à me planter. Regarde tes serrats, tu vas voir, c'est drôle. Ouais, non. Pas essayer, parce que c'est pour que ça rame et que je perde du temps. Hein.
Bah ça rampe pas pendant longtemps, ça rampe pendant 0.5 secondes environ. Mais tu le sens un petit peu, c'est drôle. Ok, j'ai débloqué la zone de la neige. On va gentiment y aller. Mais je l'ai fait deux fois moi. Ah bah c'est par là qu'il faut passer. Quel con. Ça aurait été tellement bien que si j'aurais eu le masque du lapin quand même, ça aurait été... Lapin. Ah, quoi, le masque du lapin il est un peu inutile parce que je pense que ça aurait changé, j'aurais perdu plus de temps qu'autre chose à le récupérer. Ah ça dépend. Après bon, si t'es rapide, ouais peut-être que ça peut t'aider, mais... Me connaissant, je vais éviter d'aller le chercher. Parce que moi je suis une grosse merde. Oui. Oui, je confirme. Malgré que c'est moi qui est le premier, hein, en termes de... Premier pour le moment. Oh, toi, moi, ça va commencer, alors. Là, je te dis, moi, tu vas voir, là, qu'est-ce que tu vas voir. Par contre, le deuxième donjon, il est facilement accessible, hein, si je me trompe pas. Le deuxième donjon, il y a quand même pas mal de trucs à faire, quand même, pour aller au deuxième donjon. Ah bah ? Ah bah, je te dis pas, mais... J'avais oublié. Ça va, Fab, c'est pas trop galère la main. Bah, je suis encore dans la cinématique, ah, je suis sur la fin là. Ok, d'accord. Yes! First try! First try! First try! Strident! Donc, oui, je suis pas encore retourné dans le temps, les gens. Je retournerai dans le temps lorsque j'arriverai au donjon. Moi, je suis retourné dans le temps, puis j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Point, 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 point. Donc on est dans le village, dans la montagne. Ta gueule, Taya. Taya, elle est venue. Taya, la fée. Taya, la fée. Taya, la belle. Taya, c'est ma meuf. Ah ouais. Ah, c'est ouais. comme Menou, c'est ton mec. Menou, c'est mon mec aussi. Hein. Putain. Tu l'as toujours pas plaqué, putain. Pas possible. Mais il est gentil. Non, il est méchant. Pourquoi je le laisserais? Il est trop mignon avec son crâne, je peux même lire l'avenir dessus. Le pire c'est qu'il t'a ban de son Twitch en plus, tu te rends compte. Ah, bah les steaks. Il demandait, il est gentil avec moi, t'inquiète. Ton Lyo t'as aimé. Ah, vous avez été banni, merde. Salut Darunia, ça va bien? Ouais, moi aussi, allez. Vivement que j'obtienne le... Ouais, c'est pas Darunia. Vivement que j'obtienne le... Non, la loupe. C'est le monologue de vérité, Calice. Ouais. Vivement qu'on obtienne le masque de la zone, c'est-à-dire le masque Goron pour aller plus vite. Il me reste combien de temps, Romain? 1 minute 30 de matériel vert. Ah, c'est trop long. Ok, j'ai eu peur, putain, j'ai vu qu'il reste 1 minute 30 à l'épisode, je me suis dit, putain, c'était rapide. Non, il reste 19-22. Oh là là, c'est trop lent, ce putain de jeu. Romain, tu joueras ton Jap, ça va voir, c'est quoi. C'est que j'ai joué au jeu en version Jap. Ça va, c'est pas le même truc, hein, tu vois, c'est pas le même chose. À l'époque, quand je speedrunnais au OT. Hein. Il fut un temps où je speedrunnais au Ocarina of Time dans ma jeunesse. Il fut un temps. T'étais pas censé mon nom, c'était Romain. Non. Pas du tout. J'aime les Chinois. Non. Non, c'est juste que bon, j'en ai un peu ras le cul en fait de ce plan. Oh, t'es mort. J'ai pas fait. Après, j'ai ras le cul de speedrun des Chinois. Le hibou. Malgré que je suis pas raciste, hein, j'aime bien les Chinois parce que les Chinois ils font du riz et tout ça. Ils font des bons jeux. Non, les Chinois ils font des hentai. Allez, 23 secondes, Fab, de manette à l'envers. Ah, parce que je suis en galère totale. Et les rageux diront que les hentai c'est fait par les Japonais, hein. Alors là, oulala. Non, c'est les Coréens qui font les hentai. Non? Les rageux diront que c'est... Les rageux diront que c'est Koroshi. Attention, Fable Goron, c'est bon. Tes 5 minutes sont écoulées. J'avais quand même peur, les gens. Et je vais récupérer la loupe. Voilà, la loupe. Moi, je l'ai déjà, alors là, oulala, t'es dans les vapes, toi. Koroshi... Sois pas trop confiant. C'est des blagounettes, Romain. Hein? Romain. Yes. Le monocle de neige. Il mangeait du pain. Très très marrant. Donc Koroshi qui a toujours pas évolué en 3 saisons. Hein. Ça, c'est... Voilà.
Il y a des choses qui changeront pas. Ouais. C'est ça. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Romain? Qu'est-ce que t'as dit? Oui. Castagnette. Et je suis tombé dans le vide. Je suis tombé dans le vide. Je suis tombé dans le vide quand j'étais petit. Tombé dans le vide. Je sais que c'est tombé dans le chinois. Tombé la chemise. Oui, j'ai fait tomber la chemise. Je l'ai. Tombé la chemise. Je l'ai baisé. Il y a agression paternelle. Poulet braisé. Poulet braisé, mais what the fuck. Mais what the fuck. Laisse les poulets tranquilles, gros. Tabarnak. Tu m'as pris pour qui, est-ce un personne de calice. Mais parle-lui, espèce de crétin. Parle-lui pas, Romain. Faut pas que tu parles aux morts. Est-ce que c'est pas normal de parler aux morts, est-ce que... Allez, on va le suivre. Par contre, est-ce que j'aurai assez de magie? Je ne sais pas. Par contre, Romain, là, si jamais là, tantôt là, tu choisis de me tuer là, pour aucune raison en envoyant une flèche dans mon épisode, là, ben, que tu sois béni, mon cher compatriote de l'armée américaine. Que tu sois béni, mon Dieu. Au nom du Père, du Slip et du Saint. Esprit. Au nom du Slip et du On est obligé d'aller au village Goron ou pas? Bon, c'est pas obligatoire d'aller au village Goron. Je sais pas. Je sais plus. Non, je crois que c'est juste pour. Je pense pas que t'es obligé d'aller. Je me rappelle plus, c'est quoi la sonate de l'éveil, bordel de schlag? Ah bah bravo! C'est gauche, droite, bas. Si dit, moi je connais pas plus méchant. Ah bah bravo. Ça va sur internet pour regarder. Le seul que je me reconnais, moi, c'est le chant du temps, il est tellement facile. Bah oui, j'avoue. Puis la berce dans OT, là, le chant qui fait c'est la berce de Zelda. Bah ouais. Non. Et ah ouais. C'est le champ le plus... En speedrun, c'est le champ le plus rapide à faire. Donc Par contre, il y a mon Windows qui s'est... manifesté. Voilà. Qui s'est réveillé. Les esprits se manifestent. Il y avait un écran bleu avec un petit bonhomme pas content. Darunia, je t'aimais. Ben je sais que ça lance pas Darunia parce que je suis pas gay. C'est quoi le rapport? Je sais pas, mais XD. Okay, là, je sais pas, je dis des choses. Par contre, je suis pas homophobe, hein, alors là, pas du tout. Je crois que j'ai fait un fail. Les gorans, c'est tellement mignon, lorsque je les mange, ça fait des bruits. Allez, remonte, mais remonte, espèce de tri. Qu'est-ce que t'as dit, Romain? J'ai envie d'entendre ce que tu allais dire. Espèce de goujat. Ah ouais, de espèce de goron. Waouh, le masque du goron, il est tellement mignon. Putain, mais je suis trop loin, je suis un gros. Ouais, moi alors. Moi je suis un crétin des îles, je suis tombé. Mais on peut pas aller directement au donjon. Bon, non. Non, t'es obligé de tête. Voilà, le v'là. Tête. Il est passé sous le tunnel. Il faut faire la source d'eau, non? Il y a des interférences. Faire quoi? Je suis en edge. Tiens, mec. Ça fait longtemps, ouais. Je me rappelle plus. Non, les lobos, laissez-moi tranquille. Je suis tellement jamais vous rattraper, c'est saloperie de loup-garou. D'ailleurs, le week-end dernier, j'étais invité à un anniversaire, on a fait des parties de loup-garou, c'était trop bien. Ah, mais loup-garou, c'est cool. C'est trop cool. Pas avec la source chaude, le truc qu'il faut faire après. Après, moi, au loup-garou, je suis une bite, parce que moi, quand je suis loup-garou, je suis vraiment pas discret. Hein, quand je veux, voilà. Hein, parce que... Et l'ours, c'est chaude. Mais bon, c'est vraiment cool. Bien. Flèche, faut pas que je la gaspille. Ah, attention, avec parcimonie faut utiliser les flèches. Avec parcimonie. Allez. Alors. La visée Z pour assurer le truc. Ah, il en faut deux, sérieux. Ah oui, ah, il en faut pour le glacier, pour péter la glace. Ah oui, je l'ai direct, me semble. Oh la merde. Ah, c'est con. C'est concombre ça. Je vais arrêter le monocle. Ah, déjà que je suis pas forcément en avance, alors là. Darmanie, il est tellement beau. Et moi, je ne sais pas où est-ce que je dois aller. On va pas tomber dans la flotte. Où est-ce que je dois aller? Par là. Wouhouhou, mon dieu. Romain, tu as le gant là? Je suis en train de je vais monter la. Le truc, le je vais monter le mur d'Interville.
Pardon. Tu connais au moins un petit peu le... De quoi? Le quoi? Tu connais le chemin? Oui, je connais le chemin. Une chance. Il reste 12 minutes 10. Sinon, je peux te le dire, hein. Je suis gentil, moi. Non, mais c'est bon, je connais le chemin, y'a pas de soucis. Ouais, ils disent tout ça, mais des fois, lorsque tu leur demandes c'est quoi le chemin, ils disent rien parce que voilà. Ouais, j'avoue. Ils sont tellement méchants là. Ah, il faut. Ok, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, Ok, c'est bon. Ça t'est revenu. Ça se trouve, il a. Ouais, ça m'est revenu. Ça se trouve, il a. Par contre, je suis trisomique. Hein. Ça se trouve, il a la solution sur son autre écran. Ça. Mais non, c'est pas vrai, je me rappelle. Non, mais je rigole. Là, rigole. Non, mais toi, tu rigoles jamais, Romain là. Pas de blague entre nous là. Ouais. Et oh, ce tournage, c'est censé être du sérieux, hein. Hein. Voilà, hein. Attends, que voilà, hein. Le sérieux, c'est pas là, hein. Autant se faire souffler. Bonjour. Aïe. Putain, mais Romain, il va me dépasser avec tout ce que je viens de rater comme un gros. Apaise mon âme, oui, ouais. Ah, tu merde. Tu veux que je t'apaise? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Fable? Faut que je récupère un truc. Ah! Toi aussi? Non. Alors, moi, je connais pas bien le jeu. Moi non plus. C'est pas toi au début de la série, enfin... C'est pas toi avant qu'on commence à tourner cette série. Oh, je connais Majora's Mask par cœur. Par cœur. Bonjour, mon nom c'est Kurushi. Je suis métiné à Mbjibugi. Pas de Wogi Wogi avant de faire vos prières le soir. Pas de Wogi Wogi. Je sais pas, je l'avais dans la tête. Tu peux faire toi? Oui, je sais ce qu'il faut faire. Oui. Putain. T'aurais pu me dire non, je sais pas, il a été recherché pendant 40 ans alors que moi, comment j'ai oui. fait. Oui. Oui, c'est moi. Oui. Oui. Allez, les pics, c'est comme des Chinois. D'accord. Quel est le fucking problème? What the fucking problem? T'es où la femme? Romain, j'ai une question. Je suis en train d'acheter des bombes. Ah, ok. Oui. Parce que j'avais oublié d'acheter c'est quoi des... qui... Ah oui, c'est 50 000 sacs de bombes. C'est quoi qu'il y a dans le trou? Il y a une source chaude hein, dans le trou qui est glacé. Ouais. Merci. Merde! Non, mais je suis gentil. Hein. On est gentil dans cette série, on s'aide un petit peu. Un petit peu. Je vais l'ouvrir pour être certain de ne pas me faire avoir comme une merde. Par contre, j'espère que je l'ai pas mis trop loin à la source d'eau parce que sinon je me chie dessus. Alors, le masque gore. Oh, j'ai stressé. Oh. Tu vas mourir? Oh non, mais j'ai stressé ma vie, mon frère. Mais j'ai stressé parce que si jamais j'avais raté, mais je m'en fous. Il a souffle d'eau chaude. Par contre, j'ai peur que le truc il régèle le trou. Si tu sors de la map, oui, il régèle. Bon, là maintenant, faut que je trouve le petit vieux, esti. Donc j'ai débloqué la première source d'eau chaude. Ça m'est de ce côté. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est très 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 simple. Cours. Donc là, on va libérer le petit vieux de Kalis. Moi, je vais le faire maintenant. Boum. Boum, 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 mais boum, prends de l'eau, espèce boum, de. Boum. Mais. Ah, c'est bon, il a pris de l'eau, c'est bon, enfin. De l'eau. Il me faut de l'eau. Wait! Oh my god! Oh my god! Oh my fucking god! Wait! Convoi exceptionnel! Cours, c'est chaud, bordel! C'est chaud, non mais le pire c'est que c'est vraiment chaud parce que j'ai de l'eau chaude dans mon flacon et elle va se refroidir au bout de, je sais pas, de 2-3 minutes. Wait! Aïe, c'est bon. Je me suis fait péter la gueule. J'étais un petit peu trop près. Tout va bien. Un tout petit peu, hein. Un tout petit peu, ouais. Hein. Alors, je me suis pris un bout de flocon dans l'œil. Un bout de narre. Non, je suis parti en couille. Vite. On va récupérer de la magie. Vite. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Vite. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai débloqué la source d'eau chaude. C'est bon. La deuxième source. Ouais. Nice. Quoi, il y a deux sources? Oui.
Ah bon? Oui. Eh bah oui, parce que... Mais oui, Jamy. Mais où est donc Carnior? Bien sûr. Je prends une deuxième source d'eau. La viande, elle sert à un truc, hein, la viande qu'on va voir dans le village, non? Il reste 7 minutes 04. Si on peut arriver jusqu'au donjon, ce serait bien. Romain? Sans forcément le commencer. Oui. Bonjour. Je suis comme un petit peu perdu, là. Cool. Continue. Continue de te perdre, vas-y. Ça va m'aider. Moi aussi. Bah, surtout pas. Par contre, il y a un petit problème. Mais par contre, il est où, le Goron? Dans le temps fesse. Mais est-ce qu'il est, ce con? Bon, je suis poursuivi par un méchant. Un méchant loup. Mais what the fuck? Coucou le loup. Ah, je me suis fait geler. Ah merde, j'ai pas de bâton. Ah. Moi j'en ai un, mais il se détache pas. Ouais, super. Mais en fait, il est où le Goron là, gelé? Je ne sais plus du tout. Ouais. Pourquoi tu demandes où il est si tu dis que tu l'as? Non, mais je l'ai pas. Bah si, en fait. T'as dit je l'ai. Ah, il est là, c'est bon, il est là. Mais qu'il a galéré pour le trouver vite. Faut le dégeler. Je sais pas si c'est bon, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Hey, Capoeira là. Hop là. Oh, c'est Darmani. Giorgio Darmani. C'est un parfum ça, non? De quoi, qu'est-ce qu'il me dit? Giorgio Darmani. Bon bref, je suis dans mon délire. Ah merde, faut que je parle au petit bébé. Oh, mais non, ça marche pas. Oh, mais vas-y. Me nique ça, me nique ta soeur. Oh putain. Bon, j'ai brûlé un peu les étapes là, j'avoue. Ah, du coup, j'ai fait exactement la même chose, Romain. Génial, je fais la même erreur que Kuroshi. Comment veux-tu que je l'attrape si je fais les mêmes erreurs que lui? Par contre, Romain, y'a un problème après. De quoi? Dans ta dernière plateforme. Rien, je vais rien dire. 5 minutes. Parce que sinon, c'est moi qui va s'handicaper après, ça va être triste. Ah, puis du coup, ça va regeler le truc, du coup. Oh putain, je suis dead. Putain, j'aimerais bien pouvoir récupérer le. C'est exactement ce que je disais, MDR! Il est où le. Mais je suis. Il est où le Goron? Et il est où? Le Goron gelé là? Non, mais le Goron qui ouvre la porte. Il est où? T'es pas obligé de le parler, hein. Après, je seul, je dis rien. Mais qui ouvre la porte des Gorons. Mais t'es pas obligé de le parler pour ouvrir la porte. Mais si. Bah non. Ah, moi, je le sais. Je peux rentrer. Ouais. Je peux rentrer comme ça? Bah ouais. Bah non, ça marche pas. Bah si. MDR. Ah non, ça marche, ça, j'ai rien vu. C'est bon. T'as vu, Romain? T'as vu, hein? Même moi, je le sais. Mais oui, non, mais oh, parce qu'à chaque fois, je parle au Goron, à chaque fois. C'est bon. J'avais oublié ce détail. Et je veux mon petit papa. Et je veux mon papa. Les musiques dans le jeu sont vraiment géniales, par contre. Bah, en même temps, c'est toujours le même compositeur, donc oui, forcément. Ah, Koji Kondo. Oh, touche-la, moi. Mon papa, il est où mon papa? Bah c'est bon, bah ton papa il voulait pas me parler, ce con. Ah, la violence. Ah, Denis, ce cher Denis. D'ailleurs Fab, je sais pas si t'as vu, mais Denis il a réagi en vidéo. Hein. Ouais, j'ai mon frère qui m'en a parlé. Ce qu'il pense du fameux ah. Mais par contre, j'oublie toujours, il me semble que le mec il oublie tout le temps c'est quoi le final de sa chanson. Je sais plus si ça s'en rappelle à un moment donné. De quoi la chanson? La berceuse. Ah. Ah. Oh. Ah. Ma bite en chocolat. Oh. Ah d'accord. Oh. Nice. En demi. Nice. Mec. Oh mon dieu. Oh mais non, mais je me fais avoir par le pire ennemi du jeu. Sérieusement. C'est-à-dire? Tu sais, la grenouille qui sort. Moi parler le France. Ouais. Toi parler le France. Ouais. Le France. Tombe pas. Ouais, c'est ça. Je vais retomber en bas là. Ok, la reste de la musique, je sais c'est où qu'il faut le trouver. Ah, mais non, mais ça n'a pas gelé. Ah, mais c'est bah nice. Non, c'est vrai.
Moi aussi j'ai eu peur tantôt, je me suis mis à stresser ma vie. En fait non, si jamais je retourne dans le temps, ça rejette là. Bah ouais, parce qu'il faut que tu reviens dans le temps pour que ça gêne MDR, Romain, mais t'es vraiment un culte. PTBR, t'es qui? Pardon. La musique apaisante de PR bienveillant. Non mais le PTDR t'es qui, c'est le tweet de l'année. Voilà, c'est... Il est quand même drôle le mec, quand il parle un fantôme XD. Je suis allé tellement vite que je suis arrivé avant le fantôme. Fabi, comment ça? T'es légèrement noir. Oh là 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 là, tu prends beaucoup de retard. Hein. Je veux pas être méchant, mais il me rattrape un petit peu quand même. Hein, parce que je me suis quand même fail sur le mec. Hein. Toi, Romain, tu me rattrapes vite. Après. Bonjour! Bah, si lui te rattrape vite et moi je rattrape vite Romain, c'est qu'il y a un problème. Bah non, tu rattrapes pas vite Romain en vrai. Quoi? En vrai, moi puis Romain, on est exactement à la même place qu'il y a que tantôt. Alors, suite derrière. Que tantôt. Il reste une 27. Ok, bah j'aurais jamais le masque avant. Vas-y, apprends-moi ton chant, vas-y. Oh, il a arrêté de pleurer, le connard! On sera le bâtard! Je savais en plus sur la musique, que je savais. Dernière minute! Je me rappelle que je m'en souviens prochain temple, Romain, le prochain temple, il est tellement chiant! Ah oui, le temple du pic des neiges. Ah si, je le connais un peu, donc ça devrait aller. Oh, je l'aime pas. Je vais essayer de te rattraper. Je vais essayer de te rattraper sur ce tombeau. Il est terriblement chiant ce temple. Pareil pour le temple de l'eau, il est chiant aussi, mais bon, il est fun. Bah comme c'est le temple de l'eau. C'est le temple de l'eau en même temps. Puis la forteresse de pierre. Non, le temple de l'eau de Karen of Time, il est pas dur. Stone Tower, ça va, il est pas non plus. Enfin, la première fois que tu joues, tu te dis ouais putain, il est complexe, mais une fois que tu as joué quelques fois, tu te dis bon, c'est une formalité. Ouais, quelques fois. Après, bon, quand tu recherches les faits, c'est compliqué. Mais bouge ton cul. Attention, il reste 5 secondes. 4. Non, il reste 12 heures. 3, 2, 1. Stop, c'est fini. Dans une cinématique. Bah, t'attends que la cinématique se termine, puis tu m'envoies. Voilà, c'est ok. Bah, non, pas bah, que fini, mais à un endroit où ça bloque la vidéo, quoi. Ça bloque tout. Je peux pas arrêter. Bah, attends ta cinématique se termine. Une fois que c'est fini, bah, tu mets sur pause. Non, mais okay. Si c'est du texte, il faut pas qu'il fasse des fils de texte. Oui. Merde. C'est bon. Si c'est du texte, tu bouges plus. Voilà, tu bouges plus. Bah, ton terme, c'est pas grave. Il y avait écrit deux trucs, ça avait juste dit ah, vous avez la verse, du bleu du blé. Ok, d'accord. J'ai juste sauvegardé. Ça commence à tricher. Je suis malade. Oui, mais ça commence déjà à tricher. Non, ça commence déjà à niquer. Ouais, c'est bon, j'ai sauvegardé. Bon, où est-ce que vous en êtes, Fab? T'en es où? Je suis en train de grimper la grande échelle. Là. D'accord. Fab, t'en es où? D'accord, la grande échelle. Et Koroshi, t'en es où? Je suis, j'ai la berceuse là. T'as la berceuse, ok. Bah moi j'ai appris le début de la berceuse, puis je vais aller voir pour qu'ils m'apprennent la fin. Bien, donc c'est l'heure du lancer de roue. Déjà sonné. C'est l'heure du lancer de roue. Voulez-vous utiliser vos immunités, Fab, Koroshi? Non, pas d'immunité, moi non plus. Non. Koroshi, donc c'était à toi d'ouvrir le bal en premier, je crois. Allez. Vas-y. Bah Koroshi. Non, en fait c'est moi le dernier, mais c'est pas grave, on s'en bat les steaks. Allez, on fait un ordre, allez, on fait Koroshi, moi, Fab, allez, voilà. Allez, let's go, c'est parti. Le mec, il a cherché un ordre à l'arrache, tu sais. Bon, allez, on fait cet ordre-là. Osef. Et donc. Putain, mais c'est la grosse chatte à sa mère. Qu'est-ce que t'as? Manette à l'envers. Attends, est-ce que t'as un reboot? Sachant que le prochain reboot, on gagne un reboot au prochain épisode, c'est l'épisode 7. Tu as un reboot, veux-tu l'utiliser ou pas? Vas-y, reboot. Ok, tu reboot, bah vas-y, reboot. Bah j'ai quand même un reboot avant. T'en as un. Et il faut quand même prendre une immunité? 3. On se bat les couilles, allez, reboot. Sachant que ouais, au prochain épisode, on aura tous un reboot en plus. Et là, il va tomber sur moins une immunité. Ou sur 3 minutes.
Il retombe son manette à l'envers. Il retombe son manette à l'envers, je suis sûr. C'est de la merde. T'es tombé sur quoi? Élimination directe. Non, 3 minutes de pénalité, bordel de schlag. Et ben voilà, et ben voilà. 3 minutes pour Koroshi, ça va me permettre de le rattraper un petit peu. C'est de la merde ce jeu. À mon tour. Allez, c'est parti, let's go. Allez, prends-toi 2 minutes, s'il te plaît, prends-toi 2 minutes. Top. À la vachette. Papa, ta grand-mère. Allez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Si je tombe sur une minute au jour de ton choix, je sais à qui je vais la donner. Et il va rager. Donc, J'ai rien Koroshi, prie que je tombe pas là-dessus. Oh non. Oh non. 3 minutes aussi. J'ai aussi 3 minutes, mais je m'en fous. J'ai un reboot, je m'en fous. J'ai 2 immus, donc j'ai pas besoin d'immunité en plus. Hein. Allez, je reboot, du coup. Merde. Je reboot. Allez. Donc j'ai un reboot en moins. Mais merde. Et là, une immunité. De toute façon, le reboot, je vais le regagner, donc Osef. Allez, c'est à moi. Oh non, je suis dégoûté. Quoi? J'ai fait un reboot pour perdre une immunité. MDR. Mais je m'en fous, mais je suis pas immobilisé, donc je m'en fous. Bah, j'ai une immunité en moins. Fab, le grand tombe sur 2 minutes pour tout le monde, à part moi. Non, donne une minute à Romain, s'il te plaît, je t'aime, Fab. Non, j'ai 3 minutes de pénalité. Il y a moi et toi qui utilisez le reboot. Tu utilises pas de reboot? Non. Ok. Wow. Ok, d'accord. Oh là là. J'aurais dû garder ma manette à l'envers, moi. Putain, je suis très zombie. Putain. Moi, j'ai une immunité en moins, Koroshi. Attends, hein, j'ai une chance de crever. Après, on s'est tous pris des malus. J'ai une chance de moins de crever, quoi. Donc, voilà. Quoi. C'est de la triche. Mais moi, il m'en reste plus. Hein. Si jamais je meurs. Ouais, bah moi, j'ai encore une chance, moi, ça va. Putain. Bref. Tu vas me rattraper, Romain, tu sais. Suite à ces... je laisse Fable Goron faire l'outro. Suite à ces magnifiques malus. Exactement, suite à ces magnifiques malus qui a été distribué de manière totalement aléatoire et fortuite. Il dit tout ça. nous allons pouvoir mettre fin du coup à cet épisode 6. Nous vous remercions. C'est Percy 4 qui est là, on le sait tous. Ah oui, non, bah oui, carrément. Allez, aussi, il a 3 minutes, donc bon. Donc on va vous remercier d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à checker les épisodes de Koroshi et de 963 Romain ainsi que de Percy. Qu'on n'oublie pas. De Percy Gaming AS. Oui, voilà. Et pour ceux qui sont sur les chaînes des qui sont déjà sur les chaînes des autres, n'hésitez pas à venir chez moi. Voilà. 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 Et puis sinon, mangez des choux de Bruxelles. Oh, comme ça, voilà. Ok. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Écoute, bah, conclue, Fab. Conclue. Du coup, je conclue et je vous embrasse sur la bouche. Voilà. Ok. Bah, du coup, bah, à lundi prochain, même jour, même heure, même endroit. Allez, tchuss. Tchuss. Tchuss.